Global Motors Industries, GMI, filiale algérienne de Hyundai Bus et Truck a livré, ce mercredi 6 décembre, les premiers bus Kunti montés dans son usine de Batna. La remise des clés s'est faite lors d'une cérémonie pendant laquelle GMI a souhaité célébrer l'indissoluble lien entre un client algérien et un produit fabriqué localement en Algérie par une main d'œuvre algérienne. Selon Salem Swiki, directeur général de l'entreprise, d'une capacité de 29 passagers, le bus est doté d'un moteur diesel de 120 chevaux et a une vitesse maximale de 104 km/h. Il est vendu au prix de 7 millions de dinars hors taxe avec la mise en place, au premier trimestre 2018, de possibilités de leasing et de vente à crédit. L'usine GMI de Batna produira en 2017 et en 2018 une cinquantaine de bus Kunti par mois. Le taux d'intégration atteindra les 50% en mai 2018 d'après le DG de la filiale de Hyundai qui a expliqué qu'une meilleure intégration permettrait d'offrir une qualité irréprochable pour le marché algérien et de positionner le bus avec de bons prix en vue de son exportation vers le marché africain.